Hello les Breakers, très content de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Je suis à l'OS Sannois pour les matchs par équipe en France, l'objectif de l'année. Nous sommes vendredi, on joue demain à 11h contre Thionville. Je jouerai en numéro 2 demain. Et demain, je joue donc simple, double. Et à 19h, il y aura la demi-finale de l'UTR Amrouge que je vais aussi filmer. Et là, voilà mon équipe, Monsieur Lucas Bouquet, numéro 4 demain, et Monsieur Takun Wang, un poil blessé qui va être sur le banc pour nous encourager et qui jouera sûrement les prochaines rencontres. Donc voilà, bah écoutez, je vais filmer le match bien sûr demain avec la GoPro. À demain. Et voilà, deux breakers, comment vous appelez les gars? Oscar. Classé combien Oscar? 15-4. Oh putain. Romain, classé 30. Donc voilà, donc adhérent à l'OS Sannois. Est-ce que vous serez à demain pour nous encourager les gars? Évidemment. Bien sûr, on sera même ramasseur de balles. Ah, bah incroyable ça, parfait. Ouais. Parfait, bon bah les gars, demain. Merci. Merci. Avec un autre breaker, attention, comment on t'appelle? Naël. Maël ou Naël? Naël. Naël, comment... t'es classé combien Naël? 35, mais j'ai passé 34. Ouh. T'as fait des perfs? Ouais. À combien? À 33. Bien, à 33. Combien de fois? Une fois. Bah, c'est bien ça. Et c'était pendant le stage d'octobre. Et ajoutez-moi sur Instagram aussi. Génie, ouais. Nickel. Merci Naël. Allez, tu de passes rien. Ça sur YouTube du coup. Merci. Parfait, merci. Alors ce matin, je vais jouer Christopher Eman, numéro 39 français. J'ai déjà joué en 2019 à Bagnoles-de-l'Orne quand j'ai gagné mon futur. Au premier tour, il était tête de série 2. Je n'avais pas de classement. Je vais gagner très facilement 6-1, 6-2, il me semble. C'est un gaucher qui a des frappes très correctes. Revers à une main. Voilà, je l'avais bien muselé. J'avais fait zéro faute et j'avais été très, très solide. Là, c'est sur dur intérieur, donc totalement différent. Rien à voir. Il me semble qu'il joue beaucoup mieux sur dur inter. Donc voilà, c'est match par équipe. Toujours un peu stressant, un peu crispant, donc j'espère que je vais relâcher. Et voilà, hâte de jouer ce match, c'est un bon challenge pour commencer. Ils ont remis des trucs là. Après, avant, il n'y avait pas. Ah bon? Non, parce que je crois que il y avait 4 trucs. C'est où là où? Et mon breaker, si tu kiffes la vidéo, mets un petit like juste en dessous de la vidéo, appuie sur le bouton plus. Ça permet à la chaîne d'être découverte par encore plus de personnes, de faire encore plus de vues et comme ça je peux créer encore plus de contenu. Sur cette chaîne YouTube, je te partage ma vie de joueur professionnel, je suis numéro 37 français et je te donne quelques petites astuces techniques, tactiques, physiques et mentales aussi. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas aussi à cliquer sur le petit bouton s'abonner.
Ok, j'ai gagné les Breakers contre Eman. Gros match. Crispé de A à Z. J'ai pas lâché un coup. J'ai poussé la balle. Je courais bien par contre. Je perds 4-1 en premier. Je gagne 6-4. Derrière, je perds 6-4. Et super tie break. C'était la guerre mondiale. 9-7. J'ai 2 balles de match. Je fais pas. On tourne à 9 partout. Là, je fais un point incroyable où je fais un lob alors que je suis au milieu du cours. Et je finis sur un super passing. J'ai filmé tout ça, donc je suis super content. Voilà, j'ai rapporté mon point à l'équipe. Point super important. Là, on gagne 3-1. Notre numéro 1 a perdu 10-4 sur tie break. Sinon, ils ont tous gagné. Donc, mon point était important. Sinon, ça aurait fait 2 partout. Notre numéro 1 qui joue la scie en double, c'est Igor Sijin, qui a été 42e mondial en simple. Et en double, il a fait finale l'Open d'Australie. Il s'est blessé durant son simple. Donc, il ne jouera pas le double. Ça, c'est un gros inconvénient. Donc, voilà. Donc, moi, je joue avec Roman Djebavi en double. La bête qui est 80e mondial en double, hein, attention, donc là je joue avec quelqu'un de fort. Et puis double numéro 2, c'est Lucas avec Gel Cells. Voilà, et bien c'est parti, j'ai fumé ça. Voilà, victoire avec le directeur du centre de Sanoir, capitaine Stéphane Collen et Igor Sligin derrière, les gars. Victoire 5-1, j'ai gagné mon double avec Roman Djebavi, 80e mondial en double. C'est un mur, c'est une machine de guerre, j'ai halluciné. J'ai pas le micro et dans le sac, ouais, j'ai pas eu le temps. Là, je pars directos au train, parce que je joue dans 2 heures à l'UTR de Montrouge en demi-finale. Et bien sûr, je vais filmer ça, les Breakers. À tout de suite. Il est bien chaud.
Allez, je suis dans le métro, j'arrive dans 3 stations à Châtillon-Montrouge après 20 minutes de marche et je vais arriver, j'aurais mis 1h15. Voilà, Thomas Deschamps m'attend pour le match, il est au club, donc dès que j'arrive, il me laisse un quart d'heure et c'est parti pour la bataille Wakers. Thank you.
Et voilà les Breakers, je l'ai fait, j'en ai fini, j'ai gagné ce match contre Thomas Deschamps. J'étais très très mal parti, je perdais 4-1, 5-2. Vraiment, le trajet de Sanois à Montrouge, ça m'a refroidi. Et en fait, j'ai senti un peu toutes les douleurs du coup à la reprise quand il a fallu rebouger un peu les jambes. Il a bien joué dès le début, moi quelques fautes parce que voilà, manque de placement, manque de puissance dans les jambes. Et au fur et à mesure, avec voilà, je me suis réchauffé, les muscles étaient un peu plus chauds et du coup, c'était un peu plus fluide, je courais mieux. Et puis, j'ai décidé simplement aussi de lâcher mon coup droit quoi, parce que c'est vrai que le matin, j'avais entre guillemets poussé la balle et j'utilisais pas mal ma vitesse de course pour gagner ce match. Et là je me suis dit c'est pas possible quoi, physiquement je suis assez atteint, donc je vais lâcher mon coup droit. J'envoyais que des sondes en coup droit comme rarement je fais, et pour le coup bah ça a super bien fonctionné, tout est rentré, j'étais super content, je suis remonté et voilà, j'ai pris le premier set, c'est important, mais bon, même si je l'ai pas pris j'aurais rien lâché. 7-6 et puis après 6-2, donc voilà, génial. Je suis en finale du coup demain de l'UTR contre Thomas Laurent, que je connais bien et que aussi vous connaissez, puisque je crois que je l'avais mis à Pralou, je l'avais joué en quart de finale. Donc lui, il préfère le dur, il a un revers à plat, un coup droit plus ou moins lifté. Je pense que si je joue comme aujourd'hui, j'ai des chances de gagner, mais bon, un jour ne fait pas l'autre. Donc voilà, donc objectif, c'est vraiment de lâcher mon coup droit à 100%, lui faire des petits slices, court sur son revers, je sais qu'il aime pas trop ça, je sais qu'il aime pas trop venir au filet, et j'aime bien passer. Donc ça sera l'objectif. Donc voilà, les Breakers, super content, 3 matchs dans la journée, 3 victoires, c'est top. Et mon breaker, pour l'occasion du Black Friday, je vais mettre jusqu'à ce soir minuit toutes mes formations à moins 70%. Ça représente à peu près 45 heures de formation, 45 formations en tout. Alors, je reçois pas mal de messages sur Instagram. Vous me remerciez souvent des vidéos, des conseils que je mets. Vous me dites souvent vos résultats. J'ai gagné à 15-3, j'ai gagné à 34 grâce à toi parce que j'ai suivi telle ou telle formation. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais en tout cas, je vous en remercie énormément. Je sais que les tournois de Noël arrivent. Je sais que vous êtes inscrit dans plusieurs tournois. Et du coup, ça me fait énormément plaisir de mettre une énorme réduction pour que vous puissiez avoir plein de conseils, plein d'astuces pour pouvoir déjà prendre plaisir sur le cours et puis faire plein de perfs. Voilà mes Breakers, tu as jusqu'à ce soir minuit. Clique sur le lien ci-dessous dans la description si tu veux accéder à ton espace privé. Salut les Breakers.